Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue pour le tirage de la semaine, pour le tirage des énergies de la semaine du 19 au 25 septembre 2016. Pour ce tirage, j'ai donc utilisé le tarot, le livre de Thoth, le tarot d'Etelia. Voici. Et pour la carte d'énergie, les cartes d'énergie, j'ai utilisé l'oracle des anges de Doreen Virtue. Donc voilà. Donc je vous présente ici chaque fois un duo. Premier duo, deuxième duo, troisième duo. Premier duo, il est représenté par l'Atamé. Deuxième duo est représenté par le cœur. Et troisième duo est représenté par la fiole. Donc je vais vous laisser choisir un instant pour que vous fassiez choisir votre duo. Voilà, eh bien, nous allons commencer par le premier duo. Le premier duo, ce sera le chevalier de coupe tiré à l'endroit. Alors, qu'est-ce que sa carte va représenter? Cette carte, eh bien, elle va représenter un jeune ami. Ça sera un jeune ami qui va apporter des dons ou des propositions avantageuses. Donc, attendez-vous à recevoir quelque chose, un objet ou un cadeau. D'une manière ou d'une autre, vous allez apprendre quelque chose qui va vous apporter ou qui va vous faire du bien. Il peut aussi s'agir d'un contrat, peut-être un contrat de travail, peut-être un contrat immobilier, quelque chose comme ça. Ça pourrait même être une proposition financière. De toute manière, cet apport de dons ou de propositions ne saura qu'être avantageuse pour vous. Vous n'aurez donc, n'ayez donc aucune hésitation à accepter ce que ce personnage va vous offrir. Même si pour vous, ce personnage vous paraît un peu jeune. Tout se passera bien pour vous. Ayez confiance et foncez, vous ne le regretterez pas. Donc ça, c'était pour la première carte. Nous allons retourner la carte du numéro 2 qui est le 2 de bâton à l'endroit. Donc, le 2 de bâton à l'endroit. Bien, qu'est-ce qu'elle représente cette carte? Cette carte, eh bien, elle représente le chagrin. Donc vous allez ressentir cette semaine une certaine tristesse à cause du départ ou à cause de l'absence de quelqu'un. Cela peut être aussi la perte d'un animal de compagnie ou la perte d'un objet auquel vous teniez vraiment. Voilà, ça peut être la perte de plein de choses, pas spécialement d'une personne, hein, ça peut être aussi de quelque chose. Ou alors, il se pourrait aussi que ce soit un souvenir qui revienne à la surface. Peut-être avez-vous un défunt qui vous manque. Vous allez avoir le cœur gros et ce chagrin va vous faire vivre des mauvais moments, des moments paisibles, pénibles. Mais rassurez-vous, vous êtes une personne forte. Vous êtes assez forte pour surmonter cette mauvaise passe. Tout le monde passe par une période triste. Ce ne sera que provisoire. Vous allez revenir à la raison. Prenez patience, ayez du courage pour cette semaine. Pour la carte numéro 3. Troisième duo. Qui est le bâton. L'as d'épée tiré à l'envers. Voilà. Alors, l'as d'épée tiré à l'envers. Je vais essayer de ne pas brûler mes cartes avec mes bougies. Ça serait un petit peu bête.
Cette carte renversée, elle pourrait bien annoncer une grossesse. Elle pourrait aussi annoncer un renouveau, le début de quelque chose, une nouvelle aventure, une nouvelle vie. Cependant, il y a de l'animosité chez vous. Il y a aussi une résistance excessive et beaucoup de nervosité. Mais quoi qu'il se passe dans votre vie, ce qu'il va vous arriver, ce changement, ce bouleversement, devrait, du moins avec un peu de temps, vous faire rendre compte de la chance que vous avez due à ce changement. Donc ce changement qui vous fait un peu peur, eh bien vous allez vous rendre compte qu'il n'était que bénéfique pour vous. Ce ne sera que bonne chose. Donc voici pour le premier tirage. À présent, nous allons découvrir la carte de réflexion du premier duo. Je vous la montre et puis je vais la lire. Donc c'est l'enracinement. L'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc, eh bien, cette carte, elle vous signale que votre énergie et vos perceptions ont besoin de s'enraciner. Cette carte vous ramène à la raison. Et si vous vous sentez étourdi, confus, hébété, eh bien c'est parce que là, vous avez besoin vraiment de vous enraciner. Et le déracinement, en fait, il signifie que votre attention se porte trop haut. En fait, c'est comme si vous n'étiez plus dans votre corps. Essayez de trouver un équilibre dans la concentration entre l'esprit et le concret. Alors, il est possible de vous enraciner en vous massant la plante des pieds, en marchant pieds nus dans l'herbe ou sur le sol. Et aussi, vous pouvez manger des carottes, des pommes de terre, ou encore vous pouvez visualiser des racines qui sortent de vos pieds et qui s'enfoncent dans la terre. Cela vous aidera à vous concentrer et aussi à accroître vos liens avec les anges. Voici pour la première carte de réflexion. À présent, pour la deuxième carte de réflexion, je vous la présente. Le chakra du cœur. Voici. Eh bien, pour le chakra du cœur, les anges vous ont donné cette carte parce que la réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Plus grand vous l'ouvrirez, plus vous ressentirez d'amour, de joie et de paix. Vous pouvez ouvrir votre chakra du cœur en demandant aux anges de vous envoyer leur énergie curative et en le visualisant entouré d'une lumière rose, en inhalant le parfum de fleurs de cette couleur, en portant sur vous un cristal de quartz rose et en vous concentrant sur l'amour. Envoyez de la lumière et de l'amour à votre chakra du cœur. Prenez grand soin de votre santé cardiovasculaire en mangeant sainement et en faisant un peu de sport. Si vous avez un proche décédé d'une maladie cardiaque, eh bien il vous dit « Coucou, je t'aime ». Mais dans tous les cas, ayez une discussion sincère et chaleureuse. Donc vous avez besoin de parler avec quelqu'un et vous devez vraiment être honnête, sincère et chaleureux. Et ouvrir votre cœur. Voilà. Maintenant, on va interpréter la troisième carte d'énergie, de réflexion. Être honnête avec soi-même. Cette carte, j'essaie de la reposer. Oups, voilà. J'espère que vous voyez quand même.
Ouais. Donc cette carte, être honnête avec soi-même, eh bien vous avez reçu cette carte en guise de gentille réprimande, car les anges savent que vous occultez vos véritables sentiments. Vous redoutez sans doute d'admettre la réalité, par peur d'être submergé d'émotions et dans l'obligation d'opérer des changements. Des changements que vous savez nécessaires, mais pour lesquels vous ne vous sentez pas prêt. Les anges vous assurent qu'il est plus sain de faire face à la situation avec honnêteté. Ils vous soutiendront pour gérer vos émotions, vos relations et tout ce dont vous aurez besoin pour progresser positivement. Cependant, ils vous rappellent que vous devez vous concentrer sur vos désirs et non sur vos peurs pour n'attirer que le meilleur. Sachez que la situation s'améliorera si vous l'affrontez carrément. Sachez que vous méritez mieux. Évitez de tomber dans l'illusion qui prétend que c'est comme ça, on n'y peut rien. Voilà. Donc j'espère vraiment que ces cartes vous auront parlé. J'espère sincèrement que aussi elles vous auront plu. Donc voilà. Réfléchissez à ce qu'on vient de dire, éventuellement revisualiser la vidéo. J'espère vraiment que ceci va vous aider et que tout va vraiment se passer pour le mieux pour vous, que vous allez malgré tout remettre votre esprit comme il faut et que la semaine va porter ses fruits, que tout sera bénéfique pour vous. Et je vous souhaite quand même le meilleur. Voilà. Je vous embrasse.